Et donc, yo tout le monde, c'est Skies. On se retrouve sur Modern Warfare 2. Ça fait un petit moment, les gars. Mais ouais. Bon, là, on se retrouve. Comment dire, pour la suite de notre série sur ce truc. On se retrouve pour la suite de notre série. Et on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc aujourd'hui, on va avoir droit à trois nouvelles choses. Donc première chose les gens, deux nouvelles mitraillettes qui ont été rajoutées il y a très très peu, que je viens de faire la mise à jour pour pouvoir les utiliser et vous les présenter par la même occasion. Putain, heureusement qu'il n'y a pas de facecam parce que je suis en train de faire des mouvements, etc. Je suis en train d'expliquer comme si vous me voyez. Et il y a aussi une nouvelle option, c'est les viseurs. Les viseurs ont été rajoutés sur quasiment toutes les armes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux mitraillettes et un fusil d'assaut qu'on n'a pas encore testé avec un viseur dessus. On va baisser le son. Ça fait longtemps que j'ai pas repris tous les deux. Bon là on peut le voir, c'est la Peacemaker. Donc un fusil d'assaut. Non, c'est une SMG, excusez-moi. Wow, elle a pas de recul, elle a une bonne cadence. Elle me plaît bien comme mitraillette. Hein. Il manque un silencieux dessus. Non merde, putain les gars, je suis deg. Donc on va jouer encore un peu. Alors elle a un viseur point rouge intégré, c'est extrêmement stylé. Perso j'adore. Hein. Donc là comme vous pouvez le voir, B23R avec viseur point rouge. Et oui. Donc le viseur point rouge de BO2, pas le viseur point rouge de MW2, un truc rajouté ou quoi. En même temps, j'aurais préféré si c'était le viseur rajouté de eux-mêmes, de MW2 par-dessus, parce que le viseur de point rouge de MW2 est un petit peu plus stylé que celui de BO2. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Bien spawn kill, les gars, bien. Bon, là, on va augmenter un petit peu le son parce qu'on n'entend vraiment plus rien. Et là, je pense que ça va être trop fort pour vous. Bon, c'est pas grave, on verra dans la vidéo. Vous me direz justement pour la prochaine s'il faut que je monte plus le son de ma voix ou que je monte plus le son du jeu. Donc tout simplement, si ma voix n'est pas assez forte, je baisserai le son du jeu et j'augmenterai tout ça au montage, mais c'est plus de 100%. Alors, elle est extrêmement puissante, mais il faut un nombre énorme de balles pour tuer quelqu'un. Donc j'ai l'impression qu'il y a 32 balles en chargeur. On va essayer de voir ça. Donc là on est en 64, on a un chargeur plein. J'ose pas l'utiliser de loin parce qu'elle a un... parce qu'elle a une dispersion des balles qui est plus élevée. Ah putain, il a encore un hélico. Je l'aime pas. L'hélico pour voir. Oui, il y a bien 32 balles dans le chargeur. Intéressant à savoir. Excusez-moi. Alors les balles ne pénètrent pas les murs apparemment. Dommage. Donc elle est plutôt efficace hein, comme arme, comme vous pouvez le voir.
et le viseur ne gêne pas la vue. C'est-à-dire que en fait, il n'y a pas les bords autour. On a juste le point rouge qui est un petit peu comme si je volais. Un petit peu si on avait un hologramme qui était projeté, un hologramme de viseur. Par contre, il faut un paquet de balles pour tuer. Hein. Je vais me le prendre. Ah non. Balista à Kog, ah oui, ça aussi ça a été rajouté apparemment. Oh, excusez-moi, j'ai un appel. Et donc, re tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Donc, comme vous le savez, ce sera toujours des vidéos un peu courtes. Donc là, on est là, voilà, Scorpion Evo, viseur laser. Je vais pas mettre autre chose dessus, hein, parce que. Quoique, chargeur Grand Cap n'aurait pas été. Je sais pas. Donc là, il y a 60 balles, 30 balles dans le chargeur, on va voir la cadence, la puissance. Et si on se fait tuer dès le début, ça va pas le faire. La cadence énorme qu'elle possède va être un avantage. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'elle fasse énormément de dégâts. D'accord. S'il y a des mecs qui campent à l'UMP silencieux, ça va pas le faire non plus. Par contre, elle fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, elle a un recul qui est plutôt démentiel. Hein. Sans vouloir en rajouter. Ah, lui a pas voulu mourir. Ah, et peut-être qu'ils ont up la MP7 aussi. Ça m'étonnerait pas parce qu'elle était vraiment nulle. Non, 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 ils ont pas eu. Scorpion Evo silencieux, ça m'aurait pas déplu. Trois chargeurs sur ça, ça n'est rien. C'est un peu con. Excusez-moi, je vais juste baisser un peu le FOV. Ah quoi que, il est qu'à 85 hein. Je pensais qu'il était beaucoup plus haut. Non, je pense que ça m'a tué. Putain, l'habitude de BF à devoir marquer les cibles. En fait, quand j'appuie sur A, ça me fait un turn. Elle m'a laissé le temps de recharger au corps à corps alors que j'étais à la Scorpion Evo, il aurait jamais dû. Ah oui, par contre, le pistolet, ils l'ont pas toujours pas down. Hein. Le RE45, ce pistolet, il est overcheaté. Ah putain, je me suis carrément suicidé quoi. Je l'aime pas cette Scorpion Evo, c'est bizarre de dire comme ça, mais je l'aime pas. On va la prendre, Scorpion Evo, avec Extended Mag. Et on va reconnecter.
J'ai pas l'impression que les mines ne fonctionnent sur ça. Ah, le viseur. Le viseur n'est pas super. Ouais, non. Par contre, le son doit être un petit peu trop fort, donc je vais le baisser. Veuillez m'excuser, les gens. Non, mais elle a pas assez de dégâts. Elle a trop été nerfée. Ouais, elle a trop été nerfée, il n'y a pas assez de dégâts. Donc, bon, les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode. Cet épisode qui m'a déplu. Du plus haut point, ces deux nouvelles mitraillettes ne valent vraiment pas le coup. À part si vous voulez faire une tentative nuke avec, hein, parce que. Elle ne mérite pas l'appellation d'arme. On dirait des. Tu sais, on dirait des. Des airsoft. Le bruit, les dégâts. C'est des airsoft. Bon, la prochaine série, les gens, sera sur les snipers. Enfin, la prochaine série, la prochaine partie, le prochain épisode sortira vendredi. Donc cet épisode, vous le verrez mardi. Vous le verrez un mardi. Vous le verrez un mardi... Bah, le... Je sais pas le combien. Je tourne cette vidéo le jeudi 24. Donc vous aurez cette vidéo plus tard. Le mardi, je ne sais combien. Donc ça fait le mardi 29. Le mardi 29, vous aurez cette vidéo sur Modern Warfare 2. Donc après les armes. Et puis le mercredi. Qu'est-ce que c'est le mercredi? Le vendredi, bah, du coup, 3 ou 4. Non, le 4 c'est le dimanche. Le samedi ça va être le 3. Le vendredi ça sera le 2. Donc le vendredi 2, vous aurez une vidéo. Sur, bah, sur MW2, la suite, donc, ce sera un épisode sur les snipers. Donc je vais le tourner de suite, hein. Je vais tout tourner maintenant. Pour moi, ça sera fait. Bon, les gens, je vous dis rendez-vous à la prochaine. Et puis, bah, bonne journée. Allez, ciao les gens.